Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, Fleur de Lys, comment on va? Comment tu vas, ma chérie? Bonjour, ma princesse, ma fille ML Révélation Divine, comment on va? J'espère que tu te portes bien. Véronique. Comment on va? Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Oui, Yayou John, c'est ça, bonsoir. Honorine Kwaku, coucou. Merci. Merci, ma fille ML. Mettez les cœurs, partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Christine. Gabéi, bonsoir la plus belle, merci. Élise, Enya, Enya, oh, faut pas y gâter le nom de ma soeur, oh, sinon elle va se fâcher. On va partager la vidéo là, s'il vous plaît. Comment vous allez? Comment vous vous portez? Comment vous vous portez? J'ai dit, partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Hey, dit, il y a longtemps, vous ne m'avez pas vu. J'étais assis droit dans mon coin. J'étais assis tranquillement. Je ne vois pas le cœur monter. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas le cœur monter. Qu'est-ce qui se passe? La madre Francine Ba est arrêtée droitiquement par là. Elle a envie de donner son point de vue. Donc j'aimerais que vous partagiez la vidéo là. Vous ne la gardez pas pour vous. C'est ça qui est le vrai point. Moi, je vais partager. Je vais faire de même pour vous montrer l'exemple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc partagez la vidéo pour que nous puissions monter à une centaine de personnes. Vous savez que je suis la page. La baronne, je ne suis pas sur la grande page, la chaîne de la joie de vue, mais ça va monter, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Partagez. Attendez, je vais partager, puis je viens. Je vais partager. Oh, la madre est là. Taguez les voisins, taguez tout le monde, taguez. Taguez tout le monde, dites que la madre est là. Taguez-les, ils vont sortir, c'est ça qui est le vrai point. Ou bien, et de quoi? Entre filles, comment va ma princesse? Comment va ma princesse? Attendez, je vais partager un peu là. Eka toujours, bonjour et bonsoir depuis ta position. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. On partage, on met les cœurs, on sécurise. Si je sors de là, si je sors de là que je ne vois pas assez de partage, je vais encore me mettre en caserne. Ça, c'est ça. C'est du donnant-donnant. C'est ça qui est le vrai point. C'est ça qui est le vrai point. Ça, c'est les vêtements que la madre Francine Bave. La madre Francine Bave vend ce genre de vêtements-là. Oui. Elle a 10 exemplaires, 10 couleurs, si je ne me trompe pas. Je vais faire la photo, là, je vais faire quelques vidéos, puis après, je vais partager. Oui, je ne peux pas montrer ça. 10 ensemble comme ça, c'est du double. Hein. Il y a le noir derrière, vous voyez le noir. Voilà. Un joli collier, un beau talon, un beau sac. Tu es sapé. Tu es sapé pour la fête. C'est ça qui est le vrai point. Je vais partager d'abord. On partage. Dérangez-moi. Dérangez-moi.
Pourquoi c'est coupé? Pourquoi? Qui a coupé ça? Ou bien mon truc a déchargé? Mettez le cœur, partagez la vidéo là. Pourquoi c'est déchargé? Bon, si c'est déchargé, c'est pas bien grave. Partagez! Ok. Il y a quelqu'un qui dit très belle robe. C'est pas une robe, c'est une jupe. Ce n'est pas une robe, c'est une jupe. Vous voyez, c'est une jupe. C'est une jupe avec un petit haut là-dessus. Voilà, bien épousé. On a l'impression que c'est une robe, mais c'est pas une robe. C'est pas une robe du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Une très grande jupe. Une très grande jupe avec une bonne fente. Voilà. Voilà, c'est pas une robe, c'est une jupe. J'ai plusieurs couleurs, je vais les porter et puis après je vais les publier tranquillement. Voilà, plusieurs couleurs. Tu as porté ça comme ça. Ta fête est gagnée. Devant, il y a du bleu. Derrière, il y a du noir. Voilà. Ok, on va commencer. Nous sommes à 200 personnes. Merci à tous ceux qui sont présents ce soir. Je me présente, je suis la madre Francine Ba. Francine Ba, la chaîne de la joie de vivre, ou Francine Ba, la baronne. Tout ce que je vous demande, c'est de mettre les cœurs pour sécuriser la vidéo, s'il vous plaît. Vous savez, quand il y a longtemps qu'on ne fait pas de live, Facebook ne propose pas vos vidéos. L'algorithme de Facebook est mou, est lent, parce que lui, il aime toujours que nous venons. Nous devons bérétiser sur la toile, pourtant on n'a pas que ça à faire. Vous savez que nous sommes des mères de famille, des responsables quand même, et on a nos boulots. Donc, on n'a pas que ça à faire, à venir faire que des lives. Donc, quand on ne fait pas assez de lives comme ça, l'algorithme de Facebook est mou, ils prennent le temps parce qu'ils adorent aussi le béret. L'algorithme les adore, ils adorent le béret. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Mettez les cœurs parce que je ne vois pas les cœurs monter sur ce live. Je ne vois pas les cœurs monter. Donc, sécurisez la vidéo là, s'il vous plaît. J'étais en train de me présenter et puis je suis allée dans un autre élan. Je me présente, Virginie Nukujo, comment va? Nada Lisson, ma personne, comment vous allez? Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Coco Violas, mettez les cœurs. Partagez. Marie-Lou, Yannick Dingao, partagez la vidéo, mon guerrier. Partagez, c'est important.
J'ai dit, je me présente, je suis la madre Francine Ba. Ou Francine Ba, la baronne, ou la femme lourdement mariée, terriblement mariée du métal. Ça ne chauffe pas, ça ne peut jamais chauffer. Je suis la maman de plusieurs blogueurs sur la toile. Et je suis la juju de Emmanuel Keita. Oui, ma petite soeur, elle s'appelle Emmanuel Keita. Et ça, c'est ma juju. On est né le 6 janvier. C'est ça que ça. Nous sommes des capricornes. Oui, des capricornes. Je vous dis ça tous les jours. Ma petite, quand je vais parler, on va dire que non, la madre aime trop parler d'Emmanuel Keita. La madre aime trop parler, donner des éloges à Emmanuel Keita. Elle a même oublié même son blog. Je n'ai jamais oublié mon blog. Mais quand ça commence, je dépose mon blog, douantiquement parlant. Quand ma petite soeur Emmanuel Keita fait des choses qui sont tellement chic, tellement intéressant, je me donne le droit de déposer mon blog à côté et de venir parler de ma petite soeur Emmanuel Keita. N'a rien, ça, en tout cas, n'a rien, c'est ça que ça. Mettez le cœur, ça ne monte pas. Mettez le cœur, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Je veux les cœurs et les partages sur ce live-là. Quand je vais sortir de ce live, en fonction des partages, je vais voir si j'ai la force de venir faire le live. Je sais que je ne suis pas sur ma grande page. Ça, je le sais. Je sais que je ne suis pas sur ma grande page. Je suis sur ma petite page, mais partager quand même, c'est important. Et si on s'écoutait, mon frère, je te salue. Bienvenue sur ma page. Bienvenue sur ma page. Et si on s'écoutait, qui est notre frère blogueur et influenceur aussi, qui défend tout le monde sur la toile, qui dit ses vérités aussi. Abonnez-vous aussi sur sa page. C'est un frère blogueur aussi, qui se trouve sur le méta. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est « Et si on s'écoutait ?» Depuis quelques jours, je vois sur le méta des remue-ménages, des tohu-bohu, des choses qui se passent. J'étais assise douantiquement parlant dans mon coin et je regardais comme ça tranquillement. Je regardais comme ça d'un œil, mais j'étais tellement patiente, j'étais tellement tranquille, j'étais tellement dans mon coin que je savais que cette histoire de ma juju Emmanuel Keita et de ma fille Aya Robert, oui, c'est ma fille Aya Robert et ma juju Emmanuel Keita. Donc la madre Francine Ba que je suis, je me retrouve entre deux, entre ma fille et ma juju. Donc j'étais assis droit dans mon coin en train de prier pour que Dieu puisse toucher le cœur de ces deux personnes-là que j'aime. Mettez le cœur, j'ai dit de mettre le cœur. Mettez le cœur, sinon je coupe. Hey, ou bien, mettez le cœur. Oh, vous parlez de quoi? J'ai dit, j'étais dans mon coin et je demandais à bon Dieu de faire de telle sorte que nous sortons dans des bruits parce que nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle année. Dans quelques mois, nous serons en 2024. On n'a plus envie de crier ou de mettre les caméras en train de bavader ou défendre Pierre ou Paul. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. On veut garder nos énergies là pour la fin de l'année. On veut garder l'énergie là pour que Dieu puisse nous bénir. On veut garder l'énergie là pour rentrer ensemble en fin d'année avec la paix, l'amour et la tolérance et la joie de vivre. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande à Dieu. On ne veut pas des bruits, mais quand dira-t-on de gauche à droite, de tchébé, 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 rentrer ici, sortir ici. On est fatigué de ça. Si vous n'êtes pas fatigué, moi, maman Francine, je suis fatigué des bavardages. Si moi, maman Francine, bat, si vous n'êtes pas fatigué, moi, je suis fatigué des bavardages. Je suis fatigué de tchébé, 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 qui n'a ni queue ni tête. C'est ça qui est le vrai point. Et je dis merci à ma juju Emmanuel Keita. On dit, partagez la vidéo là. Je dis de partager la vidéo là. De partager la vidéo là. C'est important. Ce que je vais dire ce soir est très très important. Pour nous tous, pour moi-même, pour mes soeurs, Emmanuel Keita et Aya Robert et les followers qui sont là. Ce que je vais vous dire ce soir est très très important. Vous savez, quand il y a des histoires qui se passent comme ça sur la toile, il faut prendre du recul. Il faut se calmer, il faut réfléchir. Il ne faut pas sortir à chaud. Il ne faut pas battre le fer tout de suite. Il faut prendre du recul, il faut s'asseoir et puis réfléchir. J'ai vu le poste de ma fille Aya Robert. C'est pas
Ma fille Aya Robert, que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Et en cherchant de part et d'autre, de gauche à droite, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis tombée sur un message de ma juge Emmanuelle Keïta, parlant de son procès qui était passé et l'appel qu'elle a fait en, il y a longtemps de cela. Et vous savez, nous sommes dans un pays qui prend du temps pour régler un certain nombre de choses. Souvent, tu vas porter une plainte, tu penses que tu es tranquille. Un an après, un an et demi, voilà toi, on te convoque là-bas. Ça prend du temps, ça met du temps. On n'est jamais pressé dans ce pays-là. Quel que soit ce qui va se passer, on va t'appeler si quelqu'un a porté plainte contre toi. Donc, je voyais un peu sur le mail. Sinon, Emmanuelle Keïta, elle n'a pas un cœur, elle allait faire appel. Oh, pourtant, c'est le même jour, quand elle est quittée de là. Elle pouvait faire appel quelques jours après. Et elle a fait appel, et puis elle est partie. Et ça a mis le temps que ça a mis. Et aujourd'hui, c'est sorti. Mais regardez la grandeur de cette dame. Cette dame que vous ne la connaissez pas, ni d'Adam ni d'Ève. C'est là, on dit que lui l'a dit qu'elle n'est pas bonne, oh. Celui l'a dit qu'elle n'est pas bonne, oh. Celui l'a dit qu'elle est comme ça, oh. Celui l'a dit qu'elle n'est pas flotteuse, oh. Celui l'a dit qu'elle est comme ci, oh. Parlez, on dit que vous avez jugé une personne sans la connaître. Et c'est comme ça sur le méta. Vous ne connaissez pas les gens et vous les jugez tranquillement. Parlez, quand dira-t-on, parlez, on dit que, par ceci, cela, sans même vous-même, vous n'avez pas pris la peine de côtoyer la personne. Vous n'avez pas pris la peine de connaître exactement le cœur de la personne, la vie de la personne, comment la personne est. Mais c'est on dit que là, vous prenez pour juger une personne. Nous sommes tous hein, sur la toile ici, c'est on dit que qui fait que les gens nous jugent sans nous connaître. Mais c'est bien fait pour vous. Restez dans vos jugements, restez dans ce que vous saviez, restez dans ça. Mais vous allez toujours avoir honte parce que la personne qui se connaît, la personne qui connaît son cœur, la personne qui connaît comment il agit, il vous regarde droit parce que c'est ça. C'est ce que Emmanuel Keïta vient d'enlever dans votre yeux pour vous montrer que ce que vous avez pensé d'elle, l'étiquette que vous lui avez donnée, la méchante personne que vous lui avez donnée sans la connaître, elle vient d'enlever ça dans votre yeux pour dire que hey, vous ne me connaissez pas. Mais vous allez apprendre à me connaître. Et vous allez desserrer vos fesses, chacun. Ça va mettre le temps que ça va mettre, mais vous allez desserrer vos fesses. Chacun va desserrer ses fesses ici, vis-à-vis de ma personne. Partagez la vidéo là, c'est ça qui est ça. Oui, vous allez desserrer vos fesses. Oui. Et oui, c'est ça qui est la vérité. Merci Virginie Nkudjo pour des... Vous allez desserrer. Mettez les cœurs. Emmanuelle Keïta pouvait dire qu'elle s'en fout. Elle allait poursuivre ce qu'elle a commencé, elle peut poursuivre. Qu'est-ce qui l'empêchait de poursuivre? Elle poursuit. Même si elle part, qu'elle a échoué, elle a perdu, mais elle va vous montrer que j'ai pu encore faire appel. Vous n'avez pas dit que je ne peux pas faire appel. J'ai fait appel encore pour vous dire que je ne suis pas d'accord de la décision de la justice. Je veux encore repartir là-bas pour voir clair dedans. Mais malgré ça, malgré tout ce qui se passe, elle a quand même fait un poste en faveur de ma fille Aya Robert. Quand elle a fait un poste, les gens ont pensé que ma fille Aya Robert, oui, qui se lève souvent avec émotion. Oui, elle est impulsive. Elle allait se lever aujourd'hui, venir mettre sa caméra pour commencer à insulter sa soeur Emmanuelle Keïta. Et vous allez regarder, vous allez rire parce que c'est ce que vous attendez. Vous attendez le bafou, vous attendez la guerre, vous attendez où il y a du bruit, vous attendez où il y a du n'importe quoi, mais elle ne vous a pas donné ça. Elle a fait vraiment dans vos yeux. Elle a enlevé ça dans vos yeux. C'est-à-dire que quand quelqu'un attend quelque chose, vous attendiez quelque chose. La guerre. Aya Robert, Emmanuelle Keïta. Pour la fin d'année, pour manger vos poulets. Pour voir le bafou. Pour voir Aya Robert sortir. Insulter Emmanuelle Keïta. Oh, pourtant, Aya Robert a un appel. Il y a l'appel qui est là. Si elle sort pour insulter Emmanuelle Keïta, ça va continuer encore. Mais l'intelligence et la sagesse à habiter
Aya Robert, l'intelligence et la sagesse. Et Kilou, bébé Kilou, mettez le cœur pour Kilou. Mettez des cœurs pour Kilou. Dieu a béni Aya Robert pour qu'aujourd'hui, elle ait un enfant dans la main. Et avant de poser un acte, un regard à son enfant là, disons merci au Seigneur. Parce que les gens disent ici sur la toile que son ventre était cimetière, qu'elle ne pouvait pas enfanter. Les gens ont dit ça. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, elle enfantait, elle a un enfant. Et cet enfant-là, quand elle veut poser un acte, elle regarde cet enfant-là avant de poser l'acte. Avant de sortir, pour mettre sa caméra, pour faire des choses, elle regarde son enfant. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enfant. Si elle n'est pas là aujourd'hui, là, qui va s'en occuper de son enfant? Là, sa priorité aujourd'hui, là, c'est son enfant. La priorité de Aya Robert, c'est son enfant. Parce que les gens vont beau la pousser. Beau faire quelque chose, avant qu'elle va se lever, ma fille Aya Robert, avant de poser ta caméra, prends toute la journée, regarde ton bébé. Et puis, sors. Et puis, parle avec sagesse. Et tu as montré aux yeux et aux yeux de tout métal que ton enfant avant tout. Personne. Et j'ai aimé ça. Et je te remercie. Oui. Parce que les gens de Facebook, tu maîtrises Facebook, ma fille Aya Robert. Tu maîtrises le game. Moi, maman, frère, j'ai même accueilli, tu maîtrises le game. Oui. Tu pouvais utiliser ce moment-là pour dire non que c'est le game. J'ai chauffé Meta. J'ai bousillé Meta. J'ai fait de telle sorte que Meta boue. Mais tu as regardé le côté, tu dis non. C'est vrai, je vais faire Meta, va bouillir. Je vais faire Meta, va chauffer. Je vais faire Meta. Et puis quoi? Je serai seul et mon enfant qui loue. Les gens qui sont sur Facebook, qui nous poussent toujours à faire du n'importe quoi, ne seront pas là le jour où j'aurai besoin d'eux. Donc, je préfère utiliser ma sagesse. Et tu as été sage, j'adore. Tu as été sage, j'adore. J'adore ta sagesse, ma fille Aya Robert. Et continue dans ce sens. Où les gens ont creusé le trou, où ils attendent que tu tombes dans le trou là, tu vas passer au côté, tu vas passer à côté du trou, tu ne vas même pas être dans le trou. Parce que tu as pris un bon chemin. Tu as pris le chemin qu'il faut. Tu as pris le chemin de la sagesse. Tu as pris le chemin de la réflexion. Tu as pris le chemin de dire, avant de poser un acte, je réfléchis. Comme on dit souvent, avant de parler, remuons la langue 7 fois avant de parler. Tu as bien fait. Et les gens sont déboussolés, ils sont découragés, ils sont dans un état où ce qu'ils attendaient de toi, ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils attendaient de toi. Ils attendaient que tu sortes, venir crier, venir dire de n'importe quoi, te défouler sur ta soeur Emmanuel qui est. Oh, pourtant, ils savent très bien qu'il y a un procès en cours et que si tu sors là pour venir crier, pour venir insulter Emmanuel qui est. Ça va pousser encore le procès. Ou bien encore, Emmanuel Keta peut encore sortir une autre plainte vis-à-vis de ta personne. Mais le fait de ne pas répondre, le fait de ne rien dire, le fait de te mettre à côté, les gens disent, oh, ce qu'on a prévu là, ça n'a pas marché. Ce qu'on a prévu là, ça n'a pas marché. La sorcellerie qu'on a fait là, ça n'a pas marché. Aya Robert a vu dans la danse. Aya Robert a vu dedans, en m'aide alors. Et ils vont chercher des mots. Ils vont chercher des choses pour venir te dire que non, elle a dit qu'elle ne t'aime pas, qu'elle aime Kilou. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas, mais qui aime ton enfant, mais t'aime plus que tout le monde. Est-ce qu'on peut aimer l'enfant et puis ne pas aimer la mère? Ma soeur Conan Carole, je te claque le bisou depuis ta position. Bisous ma soeur, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Conan Carole, bisous là-bas, je t'adore, je te fais un gros bisou, ma soeur. C'est comme si moi on me disait, maman Francine Ba, il y a telle personne qui ne t'aime pas, mais il y a ton enfant qui se trouve dehors. Des gens sont en train de frapper ton enfant, mais cette dernière-là a sauvé ton enfant. Mais si la personne ne m'aime pas, la personne est censée regarder mon enfant se faire battre et puis prendre sa route et partir. Parce que la personne qui dit qu'il ne m'aime pas est censée ne pas normalement aimer ma progéniture. Doit dire que non, ce qui vient de maman Francine, mais on n'a rien à foutre.
Mais une personne qui ne t'aime pas, mais qui voit ton enfant dehors, qui sont en train d'agresser, qui s'arrête, malgré que cette personne-là ne t'aime pas, s'arrête pour pouvoir sauver ton enfant, c'est que la personne t'aime. C'est que la personne t'aime. Tout simplement, la personne n'a pas envie, par exemple, de pouvoir discuter avec toi, mais n'a rien dans son cœur contre toi, ne te veut pas du mal, ne te veut rien du tout. C'est ce qu'est Emmanuel Keïssa. Aimé Kilou, la maman de Kilou, mais c'est Aimé Kilou. C'est Aimé Kilou. C'est simple. C'est Aimé Kilou. C'est Aimé Kilou. Parce que, moi je vais dire toujours, il y a eu de l'incompréhension. Une incompréhension entre toi et Emmanuel Keïssa. Toi et Emmanuel Keïssa, Aya Robert et Emmanuel Keïssa, il y a eu une incompréhension. Sinon, c'est deux soeurs qui s'aimaient bien. Sur le méta ici, on a vu. On a vu sur le méta. Hey! Aya Robert était la personne qui défendait coûte que coûte, vaille que vaille. Emmanuel Keïssa ici, qui aimait bien Emmanuel Keïssa. L'amour ne disparaît pas comme ça. Il peut y avoir des incompréhensions qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a eu ce qui s'est passé là. Mais ça ne veut pas dire que Aya déteste Emmanuel Keïssa, ni Emmanuel Keïssa veut coûte que coûte. Coûte que coûte, en deux coûtes avec Aya Robert, non, pas du tout. Voilà les preuves ici qui ont montré ici, aux yeux et sur de tout le monde, que non, elle n'en veut pas à, voilà, à Aya Robert, pour pouvoir même annuler l'appel. Et quand on annule l'appel, on paye. C'est de l'argent qu'on donne, qu'on débourse pour annuler. Et oui, mais elle a pris sur elle quand même, et puis elle annule. Pour montrer qu'elle n'est pas haineuse. Elle n'a jamais détesté Aya. Mais elle a voulu aussi se protéger. C'est normal. Quelqu'un qui est sur la toile, qu'on vilipende, qu'on insulte, elle a envie de se protéger. C'est ce qu'elle a fait. Elle allait porter plainte. Et elle a vu que le temps, on dit le temps apaise les blessures. Le temps apaise les blessures. Et c'est ce qui s'est passé. Mettez le cœur, je ne vois pas le cœur. Hein. Mettez le cœur et partagez la vidéo là. Le temps apaise les blessures. C'est pour ça qu'on dit quand les gens sont en conflit, laissez le temps apaiser les blessures. C'est important. C'est important. Mais vous avez échoué. Aya Robert ne va pas insulter Emmanuel Keïssa. Michel dit que je suis bien habillée. Oui, c'est des vêtements que je vends. C'est une grande jupe avec un haut, un petit haut. J'ai plusieurs couleurs. Je ne vais pas présenter là, mais je vais faire une vidéo spécialement. Et puis, je vais présenter celle que ça intéresse. On peut aller du 44 au 42, 46. Voilà, je pense bien. Sur mon live, je suis en train de parler de deux personnes, pas plus. Je parle sur mon live de mes deux personnes, Aya Robert et Aya Robert et Eka. Je parle pour mes deux personnes. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Le reste là, ce n'est pas à mon niveau. Et je dis merci à ma juge Emmanuel Keïssa. Je sais que tu as un grand cœur. Parce que moi, je suis une Capricorne. Je connais comment les Capricornes fonctionnent. Je connais comment les Capricornes réagissent. Les Capricornes sont des personnes qui sont très généreuses. Qui ne sont pas gonflées du tout. Qui marchent avec tout le monde, qui ne trient pas. Ce n'est pas comme d'autres influenceurs qui sont sur la toile, qui ont des gros dos, qui ne marchent pas avec n'importe qui. Emmanuel Keïssa est la personne qui marche avec tout le monde. Elle ne trie pas. Elle ne trie pas. C'est parce qu'elle ne trie pas que vous pensez que vous n'avez pas le droit de respecter Emmanuel Keïssa. Elle ne trie pas. Sinon, nous voyons aussi sur la toile. Des influenceurs gonflés, guindés,
qui pensent qu'ils ne chient pas. Ils sont dans leur coin, tranquillement. Ils n'ont pas affaire aux gens. Ils ne se mélangent à personne. Ils sont plus supérieurs que les autres. Oui, il y en a ici. Mais elle, Emmanuel Keita, elle ne fait pas ça. Elle se mélange à tout le monde. Elle papote avec tout le monde. Elle rigole avec tout le monde. Parce que c'est sa personnalité. C'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça que Dieu l'a créée. Vous ne pouvez pas la changer. C'est son comme ça là. NKN Beauty, comment tu vas ma soeur? Je te claque le bisou depuis ta position. Comment tu vas? Bisous là-bas. On ne peut pas la changer, c'est sa nature. C'est comme ça qu'elle est. Non loin le noir. Tu es très belle, ma madre. Merci, merci beaucoup. Je te fais un gros bisou. C'est parce qu'elle se mélange à tout le monde que vous pensez qu'elle ne se fait pas respecter. Je n'ai pas envie de citer les noms des influenceurs et blogueurs ici. Des influenceurs guindés. Des influenceurs qui ne chient pas. Des influenceurs qui ne se ménagent à personne. Les influenceurs qui sont haut, arrêtés, qui. Vous voulez qu'on cite les noms? Non, je n'ai pas envie. Vous les connaissez ici. Vous les connaissez. Mais Emmanuel Keita est celle qui se mélange à tout le monde. Je me répète. Donc prenez à la respecter. Prenez à la respecter. Et moi, je la respecte encore aujourd'hui. Non, je ne cite pas. Je ne cite pas. Prenons à la respecter. Et moi, étant donné que c'est ma petite soeur et ma juju, je la respecte parce que si elle continuait dans ce sens, si elle continuait dans ce sens, ça allait à quoi faire des bruits sur le métal. Oh, pourtant, on a envie de rentrer en 2024 sans bruit. On veut rentrer en 2024 sans bruit. On est fatigué des bruits. Vous n'êtes pas fatigué des bruits. Vous n'êtes pas fatigué de tchèpè, tchèpè, tchèpè. Vous n'en avez pas marre. Nous, par contre, nous qui mettons nos caméras pour bavarder là, on est fatigué de tchèbe, 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 tchèbe. On veut passer à autre chose. Parce que notre soeur Emmanuel Keita évolue. Elle est dans la cour des grands. On ne veut plus que son nom soit bafoué un peu partout. Dans du n'importe quoi. On ne veut plus de ça. Dieu a déjà béni Emmanuel Keita. Je remercie le fait même qu'elle a annulé ça. Ça l'a encore être du tohu bohu sur la toile. Ça va encore être du bruit, n'importe quoi sur la toile. Ça va être encore des choses, beaucoup de bavardage. Pour rien, elle a bien fait. Hein? Emmanuel Keita, laisse pour toi Dieu. Laisse pour toi Dieu. En tout cas, pour maman de Kilou là, seulement, tu as bien fait. Pour maman de Kilou là, on te dit merci. Gladys Kaku, ma personne. Merci pour maman de Kilou. Merci. Merci pour le bout de chou que tu aimes. Que tu adores. Merci. Parce que tu es une mère de famille. Tu n'as jamais détesté quelqu'un. C'est les gens qui te détestent. Les gens qui ne te connaissent pas qui te détestent. Les gens qui ne te connaissent pas qui te jugent. Les gens qui n'ont jamais mangé avec toi. Qui savent ta vie plus que toi-même là. Laisse-les, Dieu va les confondre un à un. Faut t'asseoir tranquillement, douantiquement dans ton coin. Faut t'asseoir tranquillement et douantiquement dans ton coin. Dieu va tous les confondre. C'est ça qui est le vrai point. Mais tu as très bien fait d'annuler. Et pour ça, je te tire mon chapeau. Pour ça là, je te tire encore mon chapeau. Pour ça là, je mettrai ma caméra encore et encore. Si tu te retrouves dans quelque chose, je mettrai ma caméra pour venir encore te défendre, oratiquement parlant. Sans faux fuyant. Sans recul. Sans réfléchir. Ceux qui vont sortir, sauter de gauche à droite, j'ai dit, je ne réponds à personne. Actuellement même, j'ai encore deux perfusions qu'on doit me mettre. Perfusion de ne pas répondre aux gens là. C'est ça. Perfusion de ne pas répondre aux gens là.
C'est ça que je suis en train de faire. Donc les gens vont sauter, ils vont insulter, ils vont parler. C'est vu et ignoré. Va loin de ça. Va loin de ça. C'est ça que le vrai point. Donc, qui dit Eka, qui dit Aya, je vous remercie. Hein, parce que vous avez fait de telle sorte que notre tête va se reposer un peu. Aya, merci. Eka, merci. Aya, merci pour ta grandeur. Aya, merci pour ta sagesse. Aya, merci. Tu as fait de telle sorte que non, va se reposer. Parce que imagine un peu. Si tu étais sorti d'une manière. Si tu étais sorti furie en colère. Si tu étais sorti. On était encore dans woyo 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 tibé 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 tibé. Entends, le mois prochain, nous sommes en décembre, le dernier mois de l'année, le mois où on doit s'asseoir pour prier Dieu pour savoir qui va rentrer en 2024. C'est ça qui est le vrai point. Qui va rentrer en 2024, on ne sait pas. Les gens meurent. Les gens meurent. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui meurent actuellement. Vous ne savez pas que mettre sa caméra et puis crier, mettre sa caméra et puis bavarder, mettre sa caméra et puis toujours en train de faire tchèpe, tchèpe, tchèpe. Il y a un VC qui est là, il y a un mot de tête qui est là. Tu donnes même ton subconscient en train de respirer. Ton subconscient en train de remuer comme ça dans ton sommeil. Il y a un VC qui est là. On a envie de rentrer en 2024 avec la paix. Et on a envie de rentrer en 2024 avec le nom d'Eka, la paix du nom d'Eka. Emmanuel Keita est l'enfant de quelqu'un. Emmanuel Keita est la soeur de quelqu'un. Emmanuel Keita a des fans. Emmanuel Keita, il y a des gens qui l'aiment. On veut rentrer en 2024 là avec le nom d'Emmanuel Keita en paix. On ne veut pas soulever encore le nom d'Emmanuel Keita. Rentrer en 2024 avec le nom, la poisse, la soulever la poisse. Avec son nom, Tchébé, Tchébé, Tchébé. Soulever ça, aller encore 2024 avec ça. Ce n'est pas bon. On veut déposer ça. Et si on s'écoutait, on veut déposer ça. Et je suis contente de savoir mes deux personnes, ce n'est pas Yaya. Ce sont mes deux personnes. Aya Robert et ma Juju Emmanuel Keita. Le Tchébé Tchébé a été abrégé direct. De toute façon, ça a commencé là, ça s'est arrêté net. Ça s'est arrêté comme ça. Ouh, ce n'est pas aller devant, ce n'est pas aller derrière. Ce n'est pas la joie. Je suis contente. C'est pour ça que vous allez desserrer. Vous allez desserrer. On n'est plus dans ces bisous. On n'est plus dans ces bêtises. On n'est plus dans ça. Vous aimez quand les gens se tirent les chiens. Quand les gens sont en train de se crever les chiens. Pour que vous allez aller mentir, inventer des choses, créer des choses en un point fini, venir déposer sur la vie des gens. On n'est plus dedans. On vous regarde comme ça, droit, et puis on passe. Je suis sorti aujourd'hui parce que ce sont mes deux personnes. Pour dire à mes deux personnes merci. Je suis sorti, j'ai mis ma caméra pour dire à ma fille Aya Robert merci. Et pour dire à ma Juju, merci pour ton acte que tu as posé. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est la main de Francine qui a dit ça. Que Dieu te bénisse abondamment. Que où tu arrives en Côte d'Ivoire là-bas, là, faut prospérer. Oui, on voit ton avancée. On voit ce que tu fais. On voit où tu pars. Nous sommes fiers de toi. C'est ce qu'on a voulu et que tu as eu là. Nous, on est fiers de toi. On ne veut plus que ton nom se retrouve tout dans tout et n'importe quoi. C'est ça qui est le vrai point. Donc, merci. Tu as enlevé ça, c'est pas pour la peur. Tu as retiré, c'est pas parce que tu as peur. Tu as retiré parce que tu as une soeur du nom de Aya Robert qui a un enfant qui s'appelle Kilou. Bébé Kilou. Le blogueur, le petit blogueur du méta qui est baptisé et calendaire depuis quelque temps. Donc pour bébé Kilou là, tu as posé l'acte d'une mère. Et c'est ça ta personnalité.
C'est ça que tu es et réellement. Tu as un grand cœur. Mais les gens veulent faire de telle sorte que on te dit que tu es une mauvaise. On te pousse à bout. On te pousse à bout et puis demande, elle est mauvaise, elle est méchante, elle n'est pas gentille, elle est comme ça. Mais vous poussez quelqu'un à bout, vous voulez qu'elle agisse comment? Tu es camarade avec moi. Tu es ami avec moi. Si je vois que ton amitié ne m'arrange pas, mais je pars. Je suis obligé de me coller à toi. Je suis obligé de faire ami, ami, ami avec toi. Je ne suis pas obligé de faire ami, ami avec toi. Donc si je suis ami avec toi, que je sais que ton amitié me touffe, ton amitié me dérange, mais je te dépose doux et puis je m'en vais. Ça ne veut pas dire que je suis mauvaise. Ça ne veut pas dire que je suis méchante. Ça ne veut pas dire que je suis sorcière. C'est peut-être que ton amitié m'étouffe. Ton amitié ne m'arrange plus. Donc je pars ailleurs. Donc pour ça, tu vas m'étiqueter. Pour ça, tu vas montrer aux yeux des gens que je suis mauvaise. Ma chérie, laisse les gens m'apprécier. Laisse les gens. Oh, aujourd'hui, elle vous a montré que vous prenez les ondits, les candidats, ton séquia. C'est comme ça, elle est comme si elle pouvait étiqueter une personne que vous ne connaissez pas. Donc elle a enlevé ça dans vos yeux. Elle a enlevé ça dans vos yeux, fa. Et vous êtes assis doux par terre, vous êtes dépassé. Vous cherchez des mots, vous cherchez quoi dire, vous cherchez qu'est-ce que vous allez dire. Non, c'est rentré là. C'est aujourd'hui, l'on parle de qui? Moi, je parle de ma fille Aya Robert et ma Juju. C'est tout. Pour dire que vous avez fait de telle sorte que nos neurones vont se reposer. Vous avez fait de telle sorte qu'on va se reposer, on va dormir doux. Hein? Parce que l'affaire qui avait commencé là. De toute façon, l'histoire avait commencé là. On était assis, on dit voilà l'affaire encore. On ne va pas rentrer tranquillement en fin d'année là. Sans bruit quoi. Dieu merci, vous avez enlevé ça doux. Hein? Tranquillement, on est content. On est content. Donc j'entends souvent dire non que Aya défend, ou bien Aya est retournée, ou bien Aya est retournée. Aya va défendre sa soeur si sa soeur est dans la vérité. Si sa soeur est dans la vérité, Aya va défendre. Aya vous a dit déjà qu'elle n'est en conflit avec personne. Hein? Je vais te laisser Gladys. Aya vous a dit qu'elle n'est en conflit avec personne. Si aujourd'hui elle trouve que Emmanuel Keïssa est dans, comme on appelle, est dans quelque chose, elle va mettre sa caméra, elle va défendre Emmanuel Keïssa. Parce que j'entends dire que, comme elle a reçu, elle savait qu'il y avait l'appel d'Emmanuel Keïssa. C'est pour ça qu'elle a commencé à défendre Emmanuel Keïssa. Moi, je vous dis que c'est faux. Moi, je vous dis sincèrement que c'est faux. Parce que moi, tu me fais appel. Je sais qu'on va aller au tribunal. Je vais te défendre pourquoi? Je vais te défendre pourquoi? Je ne vais pas te défendre. Parce que je vais m'asseoir pour attendre. Pour dire, ah, je sais qu'on m'a dit qu'elle a fait appel. Donc, comme elle a fait appel, qu'on est déjà au tribunal, je vais la traîner. Je vais l'insulter. Si son affaire vient sur le méta, je vais remuer. Je vais mettre ma bouche. Parce que depuis l'appel, là, elles étaient tous au courant qu'il y avait l'appel déjà depuis fort longtemps. Elle le savait depuis fort longtemps. Elle savait déjà qu'il y avait l'appel. Moi, tu m'as fait appel. Mais j'ai sorti pour t'insulter. J'ai sorti pour te traiter. Je ne dis pas ton nom, mais je te traite. Je ne dis pas ton nom, mais je t'attaque. Je ne dis pas ton nom, mais je t'insulte. Dites simplement que Aya Robert a voulu tout simplement ne plus se mélanger dans la bassesse. C'est tout simplement ça. Elle voulait plus se mélanger dans la bassesse. Ça n'a rien à voir pour dire non que, comme elle savait qu'il y avait appel, elle a commencé à la défendre, elle a commencé à changer. Non. Moi, le contraire. Tu me fais appel. Je sais que je vais au tribunal avec toi. Mais je te traite sur le méta. Je t'insulte sur le méta. En parabole, je t'insulte, je ne dis pas ton nom. Et toi-même, tu sais que c'est de toi que je suis en train de parler. Parce que je sais que je vais au tribunal, que tu as fait appel. Mais je vais t'emmerder même clair. Le contraire, je ne vais jamais venir te défendre.
Puisque je sais que c'est de la vision. Je sais que c'est de la gâté. Je te défends pourquoi? Je te défends en quoi? Je te défends pourquoi? Mais elle a voulu tout simplement passer à autre chose. Elle a voulu tout simplement ne pas rentrer dans ça. Elle a dit, bon, ok, voilà, je n'étais pas d'accord, on a expliqué. Moi, je ne sais pas. Hein. Pourquoi vous, les followers, là, vous ne savez pas vous discipliner un peu même? Apprenez à vous discipliner, s'il vous plaît. Quand vous venez sur le live de quelqu'un, ou que quelqu'un ne parle pas d'une personne, vous venez toujours mettre le nom des gens que le sujet ne concerne pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous êtes têtu comme ça. Pourquoi vous êtes têtu jusqu'à un point fini? Hein? On fait un live. On parle d'une personne. Vous allez aller soulever d'autres personnes qui ne sont même pas concernées dans le live. Citez les noms. Mettez ici. C'est que pourquoi vous n'arrivez pas à suivre les lives quand on ne parle pas de quelqu'un? Pourquoi vous citez les noms des autres? Pourquoi vous faites ça? Qu'on va vous bloquer, après vous chercher à ce qu'on vous débloque. Vous voulez que les blogueurs et influenceurs changent. Les blogueurs et influenceurs aient quoi appelle, une tenue, c'est une manière de s'exprimer, une manière de faire les choses. If you love. If you love, je te claque le bisou, mon bébé, depuis ta position. J'espère que tu vas bien. C'est vrai, la madre pardon. Oui, ne mettez pas les noms des gens. Ne mettez pas les noms des gens, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on change. Vous voulez que les gens ne s'insultent plus. Vous dites que nous sommes des insulteurs publics. Il y a d'autres qui insultent. Ils ne sont pas dignes à l'aide de la cocane. Non, le cocane. Ah, là même est joli que le bon. C'est le cocane. Non, c'est rentré ici. Mais apprenez aussi à changer. Apprenez à nous amener. Apprenez à nous amener à changer, c'est important. Moi, je suis en train de parler dans ce live-là de la paix, de ce qui s'est passé entre ma soeur, ma petite soeur, ma fille et ma juju. C'est important. Encourageons dans ce sens-là. On dit le cocano, on dit c'est le comité, on dit pas la cocane. Sinon, là est jolie comme ça. Tout ce qui est féminin est joli. Tout ce qui est féminin est beau. La cocane, c'est magnifique. On dit non, on ne dit pas là, que c'est le cocane. Tout ce qui est féminin est magnifique. Mm-hmm. Ok, donc voilà, bref. Moi, je suis sortie pour dire vraiment que... Elle met la révélation. Toi, mais tu vas pas. Ah. Le cocane ou la cocane, voilà. Maintenant, avant de couper mon live, on va aller... C'est la cocane. Mais non, c'est pas la cocane. On dit le. Pas la cocane, on dit le. On dit le comité. C'est pas la comité. Ou bien. Bon, bref, mon cher. On va aller en zone de turbulence. Hey. J'ai dit, oh. Mettez le cœur, partagez la vidéo là. Avant de couper. J'ai combien de minutes? On va aller en zone de turbulence. Ma fille Aya Robert, j'ai dit, oh. J'ai dit que c'est le cocan, merci. J'ai dit, hey, Aya Robin, est-ce que vous avez vu le live d'Aya Robin? Aya Robin, j'ai dit, oh, ma fille Aya Robin dit, quand elle est en live là, qu'elle veut lire le Lalo, elle perd les moyens. Elle perd ses moyens. Qu'elle veut faire la lecture. Qu'elle veut lire en live pour pouvoir nous faire comprendre un certain nombre de choses. Le fait de savoir que vous avez combien de personnes derrière votre téléphone là. Elle perd ses moyens. Ah, dame, on peut faire ça. Donc, Aya Robert commence à faire bon, à bas. Mon homo. Ton iti. Ti. Mon. Yetio.
Ma fille, Robert, dit que, il dit, moi-même, quand je vais chanter, je chante bien. Mais quand je viens devant vous, là, je n'arrive pas à chanter. Tu les vois où? Les followers sont derrière le téléphone. Depuis quand tu les vois? Comme, pourquoi ils ont mis EZ? Que pourquoi Z? Z veut dire que vous. Elle dit que pourquoi la personne en train de vous voir? Que non, 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 il me vous voit pourquoi? Pourquoi il y a EZ là? Pourquoi ils ont mis Z? Pourquoi ils ont mis Z? Elle n'est pas d'accord. Le vouvoiement même, Aya déteste le vouvoiement. Faut même pas on va vouvoyer. Aya, pourquoi tu as mis EZ? EZ l'avait dit quoi? Z même là, même c'est venu chercher quoi ici? Aya dit que Z là, vous avez mis Z pourquoi? Elle n'est pas d'accord. Koho, koha, c'est rentré ici. Comme non, j'ai dit, non mais attends, où est la vidéo même? La vidéo se trouve où? Attachez-moi. Attachez-moi d'ailleurs. Il m'a cherché la vidéo. Il a dit, oh. Elle a dit, quand je viens devant vous là, quand je viens devant vous là, je n'ai pas vu la vidéo. Attends. Tu n'as pas vu la vidéo. Elle est là, là-dessus. Hey, ils sont pas camarades, hein. Aïe, aïe, la lecture. Attends, j'allais chercher ça. J'allais chercher. Ma fille, aïe, c'est l'attachement. Aïe, la lecture. Ça fait 2 heures. Hey, maman. Monte au son. Où est ça? Non, non, c'est pas ça. Aïe, la lecture. Où est ça? C'est démenti qu'elle a dû vous faire croire. Et comme je suis la lecture de ma communauté au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas appeler elle doit. Parce que voilà ce que l'avocat m'a dit, voilà ce qu'est la vérité. Bon, je viens de nous informer. L'avocat m'a laissé en fait. Mais Aya. Vous voyez, bonjour, je vous informe que vous pouvez. On va lire ça, mais il y a me moquer d'elle. Je vous informe que l'avocate de Madame Kouadio, voilà, vient de nous informer on va que lire. Sa cliente a fait appel. Voilà. On essaie de lire, parce qu'en fait, moi, lire, oui, mais quand je dois lire, je sais pas, c'est un truc qui me, je sais pas comment, même chanter, souvent il y a des chansons que j'arrive à bien chanter. Elle chante, hein? Mais une fois que je dois chanter devant des gens et tout ça, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Aïe, aïe, les gens là sont où? Les followers là sont derrière là-bas. Les followers sont pas devant toi. Ça dit 1000 followers, elles sont derrière le téléphone. Aya dit que quand elle veut chanter devant les gens, mais les gens, moi, monsieur, là, il y a plus de 300 personnes là, là. Je ne les vois pas. Aya dit, madre, je suis plus de 300 personnes, je ne les vois pas. Hein? Il faut. Qu'elle chante devant les gens. Ils sont où? Voilà. Jugement le 13 janvier dernier, il sera nécessaire que vous déterminez. Ouh, Seigneur. Déterminez. Né, Ayane. 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 Déterminez. Né. Né, ma fille. Né, oh, né. Aya déterminé. Yeah, la lettre ici. C'est déterminé. Déterminé. Né. Déterminé. Déterminé. Oh, Aya, c'est déterminé. Déterminé. Hey, yo, Aya, oh. Aya, oh. Déterminé, Aya. Aya, déterminé. Ouh. Déterminé. Oui. C'est la lecture. C'est la lecture. Bref. Non, mais c'est le jeune, j'ai bien lu. Faut bien. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, je vous informe que l'avocate de Madame Kouadio vient de nous indiquer que sa cliente a fait appel du jugement. Merci. Voilà, le 13 janvier dernier. Il sera nécessaire que vous déterminez, oui, hein, c'est ça.
il sera nécessaire que vous déterminez que vous souhaiterez, vous souhaitez, voilà, que je veux, je vous défendre. Non, 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 non. Vous souhaiterez, vous, le terrain, c'est une manière de vous déterminer. Déterminer. Il y a une dans la madre, c'est déterminer. Vos intérêts. Voilà, que je défende, pardon, vos intérêts. On appelle et que nous tombions, si tel est le cas, un horaire pour cette nouvelle voilà, procédure. Eh, hey, ma fille. Je tenais à vous informer. Donc là. Eh, hey, donc, Aya. Aïe, 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 va nous tuer. Aïe, arrête-tu, quoi. Oh. Elle voulait amuser, c'est fait exprès. En tout cas, elle a réussi. Il m'informe que, en gros, en terre à terre, hein, voilà. Il m'informe que, il me demande si je veux qu'il me prenne, enfin, si je veux le reprendre, d'accord, si je veux le reprendre pour un nouveau procès et tout, et tout le monde va en terre à terre. Parce que, comme je dis, lire bien, écrit bien, mais une fois que je place la caméra pour lire. Ah, c'est publicité. Qui est moi, j'ai. Non, Aya. Aya. Non, Aya, Aya, trop faute. Aya, faute. C'est quoi? Aya, Aya, trop faute. Moi, c'est sérieusement, je pense que Aya fait exprès. Bon, c'est moi je pense que Aya fait trop exprès. Moi je pense que Aya fait trop exprès. Moi je vais vous dire moi mon opinion. Moi je pense que Aya essaie d'amuser un peu la galerie. Je pense que Aya fait exprès. Ça veut dire que là j'essaie de la titiller pour rigoler un peu, mais je pense que Aya arrive à lire un peu. C'est important. Bon, quand vous savez, chacun a son petit bout de pouvoir. Voilà, amuser un peu la galerie. Ou bien là, peut-être que y a les lunettes ne sont pas adéquates. Oui, elle fait juste pour faire. Il a dit, Aya fait exprès. Aya fait exprès. Parce qu'elle s'exprime tellement bien. Ça, et puis là, elle va me dire que non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'elle fait exprès. Donc, Aya, la lecture, ça, la lecture de la gloire glorieuse. Aya, à chaque fois, pardon, faut plus. Venez sur Facebook, tu dis que tu vas faire lecture pour nous donner un bon. On a compris. Donc, c'était la madre Francine Bas. Je suis très, très ravie. Je vous fais un gros, gros bisou. Demain, je bosse demain, c'est important. Je vous fais un gros bisou. C'est toi qui as raison. Non, elle fait exprès. Ah, voilà. Moi, je pense qu'elle fait exprès. Je pense qu'elle fait exprès. C'était juste pour titiller un peu Aya. Et puis lui faire un gros, gros bisou. Sache qu'on l'aime, on l'adore. On aime aussi son côté dégamage. Son côté dégamage. Je vous fais un gros bisou. Sachez que dans la vie, apprenons à faire la paix. C'est pas tous les jours qu'on a envie de faire du béret. C'est pas tous les jours qu'on a envie de crier. C'est pas tous les jours qu'on a envie de se crever les chiens. Parce que à la longue, c'est fatigant. À la longue, c'est saoulant. À la longue, c'est emmerdant. Là, on a vu deux sœurs qui rentrent dans la paix, dans l'amour. Et en fin d'année, c'est magnifique. Franchement, encourageons dans ce sens-là. Les personnes qui veulent, qui disent que c'est faux, ce n'est pas bon, ça c'est leur problème. Laissons les haineux dans leur groupe. Laissons les gens dans leur groupe. Laissons ceux qui veulent toujours prôner la haine, n'aiment pas prôner l'amour et la tolérance. Ça c'est eux qui voient. Nous on n'a pas le temps pour ça. Nous on a beaucoup de chats à fouetter. On a beaucoup de choses à faire. On a l'année 2024, on veut proposer autre chose. L'année 2024, on veut proposer la joie. Parce qu'il y a la mort, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui meurent. On ne sait même pas nous-mêmes en 2024 si on va voir 2024. Prions Dieu pour ça. Donc moi, je remercie Emmanuel Keita. Je remercie Eka par rapport à tout ce qui s'est passé sur la toile. Malgré tout ça, elle a encore le courage, elle a encore l'amour, elle a encore le cœur, elle a encore la paix dans son cœur pour pouvoir annuler un certain nombre de choses. C'est merci qu'on va dire à Eka. Et disons merci et que Dieu lui donne encore la santé et que Dieu donne encore beaucoup, 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 beaucoup de réussite dans ce qu'elle fait.
Voilà. Et merci aussi à Aya d'avoir eu la sagesse de ne pas tomber dans le gros trou qu'ils ont prévu, genre, comme, comme voilà, Aya va sortir, elle va bafou. Aya n'a pas bafou. Aya est venue faire une lecture digne d'un film dangereux de lecture, si on a rigolé quand on va. Bisous, bisous à mes Amazones, bisous à mes guerriers, bisous aussi à la Ekaland qui était sur mon live. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes ces personnes-là, voilà, qui est maman Francine Ba. Maman Francine Ba est là, elle ne sort pas comme ça maintenant, elle a beaucoup de chats à fouetter, mais je sortirai pour vous dire quand même de temps en temps que je vais bien, que je me porte bien. Mais sachez que nous sommes en prière. Et nous pardonnons tous ceux qui nous détestent. On leur souhaite que du bon. Je vous adore, je vous aime énormément. Partagez les vidéos, mettez les cœurs, commentez nos publications. C'est ce qui nous donne le courage de venir faire des vidéos. Je remercie ML Révélation, qui est ma fille qui se trouve sur ce live. Je te fais un gros, gros bisou. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout l'amour. Je remercie Ivy Love, qui est ma princesse qui se trouve sur ce live-là. Je vous claque le bisou depuis votre position. Je remercie mon frère. Et si on s'écoutait, bisous à toi qui étais sur ce live-là. Je remercie aussi ma soeur N2K. Elle Beauty, j'arrive même pas à prononcer son truc. Je vous fais un bisou. Je remercie aussi Kona Patricia Carole qui était sur ce live-là. Bisous. Et bisous à tous mes Amazones, à tous mes guerriers. Que Dieu vous bénisse, son enfant. Bisous. Ciao.